La situation politique gabonaise est alimentée ces derniers temps par la rencontre entre Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et Jean Yegendon, ancien premier ministre et candidat à la municipalité de Libreville, par ailleurs grande figure de l'opposition depuis le dernier scrutin présidentiel de 2009 qui a vu la victoire du premier cité. Une entrevue, source de toutes sortes d'analyses. Je pense que les exigences républicaines permettent au président de la République de recevoir tout citoyen, tout compatriote qui estime nécessaire de pouvoir rencontrer le chef de l'État ou lorsque le chef de l'État estime nécessaire que ce compatriote est en mesure de jouer un rôle pour la nation. Ce qui est important, c'est que les Gabonais tiennent beaucoup à la paix sociale dans ce pays et que par conséquent, il est parfois normal que les différentes personnalités de l'État puissent avoir des rencontres qui tendent à décrisper l'atmosphère politique. Vous savez que Yegendon est issu d'une formation politique dissoute où une ordonnance avait été prise pour priver les leaders de cette formation des élections. Je pense qu'il est normal, peut-être que le président de la République à son niveau aussi, dans le sens de la décrispation politique, puisse voir un certain nombre de choses. J'ai foi de croire qu'il s'est agi plutôt des débats liés au climat politique et peut-être à certaines affaires socio-économiques du pays. Le tête-à-tête entre les deux hommes n'a certainement pas connu les interprétations telles qu'alimentées par l'opinion, mais le contenu de leur entretien reste tout de même une énigme.